c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une discipline complètement dingue, le stock car. Si vous aimez les sensations fortes, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour commencer, c'est juste là. C'est le site de vente de pièces détachées automobiles Autodoc qui sponsorise cette vidéo là et qui m'a lancé 4 défis, des trucs complètement dingues. Le premier, monter sur un maximum de voitures comme ça avec mon VTT Trial. Deuxième défi, participer à une course de stock car. J'ai jamais fait, honnêtement je flippe un petit peu, mais quand on voit les deux autres défis qu'il y a derrière, me faire taper par une voiture comme ça et moi je serai sur un tas de palettes à plus de 2 mètres de haut. Donc là peut-être que je vais mourir avant ce quatrième défi, c'est faire des tonneaux. Donc voilà, un gros programme aujourd'hui, un truc bien corsé. Donc on attaque le premier défi, c'est parti, let's go. Ok, premier défi réalisé. Les suspensions, les capots qui bougent, il y a un capot qui a failli se barrer là tout à l'heure. Ça rend le truc assez difficile. En tout cas, on est bien chaud pour le deuxième défi maintenant. Ça va être justement la course avec ces voitures. Je vais en conduire une. Il y a plusieurs pilotes qui sont là aussi. C'est parti, deuxième défi. Ma voiture de course, donc je vous fais une petite visite. Ici c'est la batterie, voilà, juste à côté de moi. Ici ça c'est le réservoir d'essence et ça ben c'est le levier de vitesse. On part sur 2 minutes, on croise les doigts, j'espère pas mourir. Elle va donner le départ, c'est parti. Voilà, en train de construire la tour. On essaie de réfléchir à une construction qui tiendrait non seulement pour moi, mais aussi pour que la voiture puisse le dégommer. Donc c'est un mix des deux. D'abord, on va essayer de tenir en vélo là-haut, voir si c'est à peu près stable. T'as raison, c'est pas stable. Là, je suis au top. Quel vertige. Vas-y, je monte dans la voiture. On va essayer de monter avec le vélo, faire un saut à blanc et on va tester déjà voir si c'est stable ou pas quoi. Oh. Ouais, ça va. Wow, en vrai ça bouge à mort. Bon là après le premier test en fait on a un tas de palettes qui est pas très stable. Ce qu'on va essayer c'est de mettre un gars de chaque côté pour tenir avec des sangles. C'est pas encore l'idéal puisqu'il y a du vent et ça bouge quand même pas mal, mais je pense que ça va pouvoir le faire. Wow, le choc des palettes va passer à côté et après bah, ça sera le grand moment, on va essayer. Allez, c'est parti. Thank you.
puis on s'est un petit peu calé sur le timing, on a trouvé les bonnes distances, la bonne vitesse. Je vais être obligé de sauter légèrement de côté parce que je pense que sinon je vais le toucher. Normalement ça devrait le faire, on croise les doigts, c'est parti. En fait c'était toi le plus courageux. Très bien, bon. On l'a fait, on l'a fait. Bah félicitations à toi finalement. Toi le cascadeur de l'histoire. Franchement la crainte est le plus pour toi. Moi je suis abrité hein. Donc ouais. Toi si tu voles tu vois. Mais ceux qui tiennent les cordes alors hein. C'est un ensemble, on est une équipe. Voilà. Maintenant le tonneau. Donc c'est parti, quatrième défi. Let's go. Faut que tu sois en haut de la butte. Ok. Voilà, c'est mon premier tonneau. Moi, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Pour ralenti. Pour ralenti. Genre, j'arrive moins fort et c'est bon. Oui. Allez. Au pied de la butte, tu mets gaz un mètre okay. Avant. Okay. Avant de braquer les roues, tu t'écrases à fond. Parce que là, je voyais à fond, doucement, à fond. Doucement, comme ça, mais c'était super. Mais avant de braquer les roues, un mètre avant le braquer, t'accélères et tu tournes. Troisième essai, l'idée c'est de le faire doucement et vraiment comprendre le truc. Du monde, il est là. Combien t'en as fait? 126 en 16 minutes 53. 126, imaginez, t'avais ça envie de gerber. À peu près 1 toutes les 7 secondes pendant quasiment 17 minutes. Oh, tu dois avoir mal à la tête hein, parce que ça tape là, n'empêche. Ça cogne un petit peu. La bon. Vidéo est dispo aussi sur internet. Bon, on ira voir ça. En tout cas, tu nous as fait une belle démo de ce là. Elle démarre plus. Bon, on a un bon système. C'est bien, il y a le stock de voitures pour nous aider. Ils vont nous pousser. Bah, si vous cherchez des pièces automobiles, bah, ça se passe sur Autodoc. C'est écrit dans la description, je pense que ça va leur servir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie le Stop Car du Rousset. Donc d'ici là, sur Instagram bien sûr. Et lundi 18h, nouvelle vidéo. Ciao les gars. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur aurelienfontenoy.fr. À la semaine prochaine. Ciao.